qui m'a décidé à créer mon entreprise, c'est vouloir être indépendant, vouloir faire un petit peu plus ce que je voulais faire auprès des personnes. J'étais salarié en tant que responsable de magasin, donc j'avais déjà une expérience. Je savais que avec la responsabilité que j'avais, je pouvais continuer tout en étant entre guillemets mon propre chef. J'ai eu connaissance de l'AFPA par la chambre des commerces. Donc dans la formation à AFPA, j'ai appris la gestion, le marketing, j'ai appris comment justement aller voir une banque, ce qu'il fallait monter comme dossier. Lorsque j'ai souhaité donc créer mon entreprise, je partais seul et lors donc de cette formation qui a duré 6 semaines, j'ai rencontré un collègue qui lui également était dans la profession et qui cherchait aussi à s'installer. Une société à créer en étant tout seul avec toutes les démarches, ce n'est vraiment pas évident. Avec Lionel, donc avec cette formation qu'il a réalisée à l'AFPA, ça a été une aide précieuse qui nous a permis de gagner du temps pour justement ce passage, on va dire un passage facilité par toutes ces choses. Nous avons une chance tous les deux avec Lionel, c'est déjà de se connaître avant la création de la société, de nous entendre comme nous l'étions avant, ce qui nous a permis de pouvoir avancer plus rapidement dans ce projet. C'est un projet qui a été réalisé, je crois, assez rapidement. On peut dire environ en 2 mois du moment où on a pu nous en discuter avec Lionel et après au moment où on a ouvert le magasin. Notre activité est basée sur le paramédical, c'est-à-dire donc une aide auprès des personnes qui ont besoin de matériel médical. Donc là, on va au domicile d'un particulier livrer un lit pour une personne qui va sortir cet après-midi. Donc il faut que le matériel soit installé pour la sortie de cette personne. Au niveau des professionnels de santé, nous intervenons au niveau de leurs besoins pour travailler. Nous travaillons également avec les hôpitaux, les collectivités, les maisons de retraite. Suivant les prescriptions, effectivement, on n'a pas toujours le matériel suffisant en fait chez le patient, donc on vient se fournir effectivement ici. C'est l'endroit effectivement où on peut tout trouver au niveau matériel, quoi, enfin, à notre niveau. Et même pour le patient, pour nous et pour le patient. Donc là, Madame Pastol vient me voir donc avec une prescription pour réalisation d'une paire de semelles orthopédiques. Après 2 années d'activité, nous réfléchissons à un nouveau dépôt qui nous permettrait éventuellement d'accéder à une deuxième surface de vente dans une autre commune. Mais une chose aussi très importante pour nous, ça serait l'embauche d'un salarié. Le soir, arrivé à la maison, c'est vrai que c'est pas tous les jours comme on peut travailler dans un bureau. Il faut que l'entourage aussi soit là, l'entourage épaule également. Oui, il y a des inconvénients, mais bon, je pense que dans la vie, toutes les difficultés vous apprennent à grandir et on a grandi ensemble. Donc, oui, ce sont des inconvénients, l'absence, mais bon, je crois que j'ai vécu assez d'absence pour le supporter encore. Et puis, si c'est une réussite, ça en vaut la peine. Moi, plus tard, je serai orthopédiste.